Bienvenue tout le monde, déjà on se retrouve aujourd'hui pour le défi Charlie Charlie. Moi je veux savoir si c'est vrai ou pas. Alors j'ai installé plusieurs caméras, donc on va y aller discret. Néanmoins, on enchaîne, on est revenu à deux. Oui. Voilà Tevez, il est passé. Yes, Vidal! Charlie, Charlie, es-tu là? Charlie, Charlie, es-tu là? Les Goonies, donc les plus jeunes d'entre vous, vous connaissez pas, vous en avez peut-être entendu parler. Là, je parle vraiment de ma tranche d'âge, de la trentaine qui Allez, connaît ce film. l'orienté. Allez, oh, il est rentré. Yes! Oh, le changement tactique là! Donc là, le but, ça va être vraiment de gagner cette première partie en jeu d'armes. Hop, voilà. Tester un maximum d'armes. Ce qui peut... Ouf. Oh là! Ah non, il est déjà mort. Voilà, ce qui peut être plutôt sympa, je pense. Allez, trop loin avec ma petite mitrailleuse là, ça va être compliqué. Garde-le. Toi, tu dégages. Allez, on est passé en tête, dis donc! Les évadés, c'est un homme qui a été injustement condamné pour le meurtre de sa femme et de l'amant de sa femme. Donc déjà vous allez me dire, le mec ça commence mal, en plus sa femme avait un amant, il est condamné pour les deux. Tu me rattrapes. C'est, je fais exprès ou quoi là? Oh le gag! Tu vas me battre avec la plus mauvaise équipe de FIFA. Et maintenant on va faire la technique qu'utilisent tous les kikous. Charlie, Charlie, are you here? Mon soufflant, ça marche pas. Charlie, Charlie, are you here? Oh! Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur GTA V. Et oui, alors on avait terminé cette aventure avec nos trois potes. Là, on a fumé une petite cigarette, à boire une petite bière au chaud, là. Donc, voilà les gars. On a gagné la Champions League avec la, Champions League avec la Juve. Je sais plus quoi dire. Donc voilà les amis, encore un gros fake.